Qui vit, alléluia. C'est Jésus qui vit en moi, en moi, en moi, en moi, alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vit, alléluia. C'est Jésus qui vit en moi, en moi, en moi. Moi qui vis, alléluia. C'est Jésus qui vit en moi, en moi. Oh, en moi. C'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est Jésus qui vit en moi, en moi. En moi, c'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est Jésus qui vit en, oh, en moi, en moi. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Alléluia. Le jour, c'est un grand jour où tu veux dire définitivement à Dieu bon et à ses rediments. Le baptême dans la commencé l'eau par le nom de Jésus. C'est fou. Tu as donné le don de ta à ta vie. Tu acceptes de mourir avec Jésus et ressusciter avec lui. Alléluia. Ce qui veut dire que le vieil homme sera un guéri. Tu vas être ressuscité avec Dieu. L'homme sera transformé, régénéré par la puissance de Jésus. Alléluia. Qu'est-ce que cela dit maintenant? Je suis très content. Je suis très content. Après ce baptême, qu'est-ce que tu veux faire pour Jésus? Maintenant, Amen. 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 Am
Alléluia. Et voilà, nous allons prier. Mais notre bien-aimé, demander que ces désirs pour le Seigneur, que tout ce que son cœur désire faire pour le Seigneur, après ce qu'il a dit, que cela s'accomplisse. Et que le Seigneur Jésus-Christ agisse tout seul, voilà, dans sa vie, et que le Seigneur le conduise par son esprit. Prions au nom de Jésus. Seigneur Jésus, au nom de Jésus, le nom que le Seigneur me donne, c'est le frère Jérémie. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, Jésus. Voilà ton nom de baptême. Voilà, nous allons appeler pour consacrer ce nom afin que tous les attributs spirituels du Seigneur soient attachés à sa vie. Prions au nom de Jésus. Seigneur Jésus, mon Dieu, mon Père, je prie maintenant, Seigneur. Seigneur, voilà le nom que tu as donné à ton fils. Je prie maintenant, Seigneur. Jérémie, Seigneur. La manière dont tu as utilisé Jérémie, Papa, je prie. Seigneur, merci pour les attributs. Papa, Seigneur, que son nom soit attaché à son âme. Et que son âme, Seigneur, soit reprend à Jérémie. Seigneur, désormais, Seigneur. Oh, le monde des ténèbres, avec ton Jésus. Avec ton Jésus, le monde des ténèbres. Seigneur Jésus. Que son âme reprend à Jérémie. Désormais, le nom de Jésus. Nous te baptisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es mort. Tu es ressuscité avec Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le lion de la tribu de Juda. Je prie que le ciel s'ouvre maintenant. Le ciel s'ouvre. Le ciel s'ouvre dans ta vie. 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 La puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit descend en toi. Descend sur toi. Le feu, 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 le feu
Alléluia. Le feu, mon bien-aimé, le Zélémy, dis-moi. Reçois le feu. Que ta danse soit animée. Seigneur Jésus, notre Dieu, notre roi, voici papa ta sœur, Marie ta mère, Seigneur. Seigneur, tout ce qu'elle veut, papa, elle veut que ta volonté soit accomplie sur sa vie, Seigneur. Elle veut, Seigneur, que tout ce que tu lui as promis, Seigneur, oh Seigneur, tout ce que tu as dit, tout ce que tu as promis sur sa vie, Seigneur, soit accompli, Seigneur. C'est pourquoi, Seigneur, nous crions vers toi, maintenant, Seigneur. Seigneur, en ce moment, Seigneur. Oh, Seigneur, tu la connais plus que nous, Seigneur. C'est pourquoi, Seigneur, pour faire cet engagement, tu es la plus, Seigneur Jésus. Seigneur, je prie que ta volonté soit accomplie sur ta vie. Seigneur, que ta volonté soit accomplie sur ta vie. Oh, Seigneur Jésus, merci. Merci, Jésus, parce que tu es vraiment de grands choses. Dans le nom de Jésus, un nouveau conseil. Au nom de Jésus, nous en prions. Amen. Amen. Et que la puissance du Saint-Esprit descende en toi. Descend en toi. Au nom de Jésus. Descend sur toi. Au nom de Jésus. Descend en toi. Descend sur toi. Au nom de Jésus. Et le feu du Saint-Esprit t'embrasse. Au nom de Jésus. Le feu du Saint-Esprit t'embrasse. Maintenant. L'onction descendue dans l'onction descendue dans l'onction.
l'onction du Saint-Esprit. Tu reçois maintenant. Tu reçois le feu. Tu reçois le feu. Tu reçois le feu. 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 Reçois. Reçois maintenant. 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 Le Saint-Esprit te remplit de sa puissance, de sa puissance, de sa puissance, de sa capacité. Et fais de toi une nouvelle personne, une nouvelle personne, une nouvelle personne, une nouvelle personne. Les dons spirituels, tous les dons qui dorment en toi, se réveillent maintenant, se réveillent maintenant, se réveillent maintenant, se réveillent maintenant, se réveillent, 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 se réveillent maintenant au nom de Jésus. Tu reçois maintenant la grâce de servir le Seigneur avec force et puissance, avec zèle. Le Seigneur sème maintenant en toi les rudiments du Saint-Esprit, les fruits de l'Esprit de Dieu. Tu les reçois au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Désormais, ton nom figure dans le livre de vie de l'agneau de Dieu. Et c'est ceci pour l'éternité. Jusqu'à ce que la trompette sonne. Alléluia. Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur vraiment va faire de grandes choses dans ta vie. Donc, il faut rester concentré avec Jésus, dans la marche avec Jésus-Christ. Que rien ne te trompe. Ne te laisse séduire, ne te laisse distraire par quoi que ce soit. Est-ce que tu as compris? Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Gloire à Jésus. Tu n'es plus moi qui vis. Alléluia. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Amen. Tu n'es plus moi qui vis. Alléluia. Alléluia. Oh, my.
Alléluia. Voilà, nous sommes vraiment venus à la fin de ce programme. Et ce que je tiens à partager avec vous comme exhortation, c'est que vous devez savoir qu'à présent, vous êtes de nouvelles personnes. Vous n'êtes plus l'homme que le monde avait connu. Hein? La sœur Rasta que le monde avait connu. Le frère que le monde avait connu. Le Nicolas que le monde avait connu. Tout ça là, c'est fini. Maintenant, vous devenez une nouvelle personne. Maintenant, vous devenez une nouvelle créature en Jésus-Christ. Régénéré par sa parole. Régénéré par son esprit. Donc vous devez marcher de nouveauté de vie avec Jésus-Christ. Vous devez avoir désormais le dégoût pour le péché. Alléluia. Vous devez avoir le dégoût pour le péché. Et je bénis particulièrement le Seigneur pour la vie de notre bien-aimé et Jérémie. Voyez, il est venu d'un pays où les gens ne croient pas en Dieu, où il y a plus d'athées que de croyants. Voyez, il est venu de l'Europe, de la France. Et en France, vous savez tout ce qui se passe. Les gens ne croient pas en Dieu. Mais c'est dans ce pays que l'évangile de Jésus-Christ va te localiser. Alléluia. C'est dans ce pays que le Saint-Esprit t'a localisé et t'a mis sur le chemin, le vrai, le chemin de la sainte doctrine. Et tu suivais les choses en cachette. Et ton âme reçoit jusqu'à ce que tu as décidé de t'engager. C'est vraiment un processus que toi-même tu ne peux pas comprendre. C'est l'Esprit de Dieu qui fait le travail. C'est le Saint-Esprit qui a fait le travail jusqu'à t'amener au plein air pour que tu puisses vivre la sainte doctrine. Vous voyez? Donc, tu ne vas pas négliger tout ce que le Seigneur a fait. Tu ne vas pas négliger et retourner dans le monde. Ma soeur aussi, le jour elle est venue, elle était venue avec des fardeaux de péché. Elle pleurait pour ses péchés parce que ça pesait lourd sur ta tête. Mais Jésus-Christ t'a déchargé. Alléluia. Jésus t'a déchargé. Donc ces bagages, ces fardeaux de pornographie, de tout ça, c'est fini. Maintenant, tu vas prendre le petit bagage de Jésus qui est la vie du Saint-Esprit. Alléluia. Donc, tu ne vas plus aller chercher les fardeaux dont le Seigneur t'a déchargé. Tu ne vas plus aller les chercher. Tu dois maintenant rester attaché à Jésus-Christ et chercher rien que sa volonté. Quand tu te réveilles, Seigneur, je te confie ma vie. Seigneur, oriente-moi, guide-moi, guide mes pas pour que je ne tombe pas dans le mal, pour que je ne tombe pas dans le péché, parce que je ne veux plus retourner dans l'esclavage du péché. Voilà ta prière. Et savoir aussi que tel que le Seigneur vous a amené, il vous a sorti de l'esclavage. Et aujourd'hui, vous expérimentez sa liberté. C'est comme ça que vous aussi maintenant, il va vous équiper pour que vous puissiez aller maintenant, aller chercher ceux qui sont encore dans la prison. Dans la prison de la drogue, dans la prison de la prostitution, dans la prison de la masturbation, dans la prison du braquage, dans la prison du vol, dans la prison de la sorcellerie, tout cela, c'est pas l'évangile. Et c'est désormais par nous, par vous. Le Seigneur ne peut plus descendre de son trône pour venir travailler. Mais il nous utilise désormais, il vous utilise désormais comme ses ambassadeurs. Comme ses envoyés. Donc il va vous envoyer pour que vous allez chercher ceux qui sont encore dans le monde. Les amis vers lui. Alléluia. Donc c'est cette mission que le Seigneur vous confie désormais.
Donc l'évangélisation est très capitale. Vous devez parler de Jésus. Vous devez annoncer le retour de Jésus-Christ de Nazareth. C'est très important. Donc voilà un peu la petite exhortation que je tiens à partager avec vous. Que toute la gloire soit à Dieu. Dieu disait à Jacques, papa, voilà tes enfants. Désormais, ils sont sauvés par ton sang. Et désormais, l'ennemi ne peut plus jouer sur ma vie. C'est pour ça, Seigneur, je prie que ton esprit les serve, les remplit, les visite. Papa, que ta lumière. Seigneur Jésus, papa, je te prie, tu le quittes maintenant, tu le remplis maintenant, tu l'équipes de ta puissance, de ton feu, de ton onction, tu l'équipes puissamment, tu le remplis puissamment, tu le remplis puissamment, tu le remplis puissamment, tu l'équipes maintenant, tu le remplis Seigneur, tu le remplis maintenant, de ta puissance, 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 ton feu en lui, ton feu en lui, ton feu en lui. Ton feu en lui, Seigneur, tu le transformes complètement, tu le transformes complètement, tu le transformes complètement et tu l'équipes. Seigneur Jésus, papa, tu les scelles maintenant, tu les scelles par ta puissance, tu les scelles dans ton alliance, 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 tu les scelles dans ton alliance. Seigneur Jésus, à partir d'aujourd'hui, le feu. À partir d'aujourd'hui, papa, tu leur donnes le goût de prière, le goût de méditation, le goût de l'évangélisation. Tu leur donnes cela, tu leur donnes cela, et tu les soutiens, tu les remplis, tu les protèges, et tu les revêtes de tes armes, tu les revêtes de tes armes, tu les revêtes de tes armes, papa. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Seigneur, Seigneur, tu parles de ces choses, nous ne parlons pas de ces choses.